Chère étudiante, cher étudiant, bonjour, bienvenue à cette séance de mathématiques financières. Alors, nous allons continuer notre cours. Alors, dans cette séance, on va voir la dernière partie de ce cours qui porte sur les intérêts variables. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir dans cette partie. On va voir juste la formule initiale parce qu'on n'a aucune simplification qu'on peut appliquer. Alors, les valeurs acquises dans les annuités variables, c'est quoi? Ce sont des annuités, ce sont des versements, mais la valeur du montant qui sera versé va être changée. Il peut être changé d'une période à une autre. C'est-à-dire que ce n'est pas la même quantité qu'on va verser à la fin de chaque période. Donc c'est pour cela que nous allons utiliser les notations VN qui représentent la valeur acquise par la suite des annuités. On a A indice P. Alors, dans le cas des annuités constantes, on avait utilisé la variable A parce que c'était constante pour toutes les périodes. Maintenant, puisque à chaque période, on a une somme, nous allons la noter A indice P. Donc, la valeur actuelle, c'est la somme des AP fois 1 plus la puissance n moins P. La valeur actuelle, donc ça, c'est la valeur acquise. La valeur actuelle, V0, c'est égal à la somme des AP fois 1 plus T à la puissance moins P. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucune simplification qu'on peut appliquer puisque les A, ils ne sont pas constantes. Alors, avec ça, nous avons terminé le cours, la partie des annuités. Nous allons bien sûr faire quelques exercices d'application. Exercice 1, calculer dans chacun des cas suivants la valeur acquise par une suite de versements périodiques et constants immédiatement après le dernier versement. Alors, premier cas, 18 annuités égale chacune à 12 500 dirhams avec un taux annuel de 9,6%. Alors, première chose qu'il faut vérifier, c'est la nature du taux avec, c'est le taux avec la nature des versements avec les durées. Alors, on a un taux annuel. On a des annuités, c'est-à-dire des versements annuels. Donc, notre formule peut être appliquée directement. On a V indice 18, c'est la valeur des annuités, c'est-à-dire 12 500 fois 1 plus le taux à la puissance n moins 1 sur le taux. Donc, application numérique, ça a donné 547 790,20 dirhams. Deuxième question. 12 semestrialités égale chacune à 4 500 avec un taux annuel de 7%. Alors, première vérification, le taux, il est annuel. Les versements, ils sont semestriels. Donc, avant d'appliquer la formule, il faut d'abord calculer le taux semestriel équivalent au taux annuel de 7%. Donc, calculons d'abord le taux semestriel équivalent à 7%. On a la formule T, le taux semestriel, c'est la racine du taux annuel plus 1 moins 1. Ça donne finalement la valeur de 4,44%. Alors maintenant, on peut appliquer notre formule des valeurs acquises. Donc c'est 4 500 fois 1 plus le taux à la puissance 12 sur le taux moins 1. Donc ça a donné 65 484,20 dirhams. Alors on continue. Troisième question. 16 trimestrialités égale chacune à 2 800 dirhams avec un taux annuel de 6%. Alors là aussi, on remarque que nous avons un taux qui est annuel, mais les versements, ils sont trimestriels. Donc, première chose à faire, c'est de calculer le taux trimestriel équivalent au taux annuel de 6%. Alors, calculons le taux trimestriel équivalent à 6%, on a la formule. Taux trimestriel, c'est le taux annuel plus 1 à la puissance 1 sur 4 moins 1. Ça a donné finalement la valeur de 1,46 moins 1. C'est-à-dire que c'est 0,40. Non, non, non. C'est juste. C'est un pourcentage. Donc ça a donné 1,646%. Alors maintenant, on va appliquer notre formule des valeurs acquises. Alors on a A qui est égal à 2 800, on a N qui est égal à 16.
Donc, ça va donner 2800 fois 1 plus le taux à la puissance 16 moins 1 sur le taux. Donc, ça donne finalement la valeur de 50 056,26 dirhams. Dernière question. 36 mensualités de 1200 dirhams avec un taux mensuel de 2,5%. Alors là, on a un taux qui est mensuel. On a des mensualités. Donc, on va appliquer la formule V indice 36, c'est la valeur des annuités A, fois 1 plus le taux à la puissance 36 moins 1 sur le taux. Donc, ça donne 68 761,69 dirhams. Alors, exercice 2. Combien d'annuités constantes de 10 000 dirhams faut-il verser en fin de période pour obtenir au taux annuel de 7% un capital de 157 836 dirhams. Alors, on cherche à calculer combien d'annuités. Donc, on va extraire les informations qui sont dans cet exercice, ainsi que ce qu'on cherche à déterminer. Donc, on cherche à déterminer le nombre d'annuités, c'est-à-dire N. De 10 000 dirhams, donc 10 000 dirhams, c'est une valeur des annuités, donc c'est A. Faut-il verser en fin de période pour obtenir au taux annuel de 7%, donc ça c'est T, un capital de 157 836 dirhams. Alors cette valeur-là de 157 836, ça correspond à une valeur acquise. Donc c'est VN. Pourquoi ? Parce que c'est une somme qu'on veut atteindre. Donc, c'est une somme qu'on veut atteindre après avoir effectué les versements. Donc, il s'agit d'une valeur qui est acquise. Ce qui veut dire que nous allons utiliser la formule des valeurs acquises. Donc, on a VC 1 plus T à la puissance N moins 1 sur T. On cherche à déterminer le N. Donc, nous allons faire passer les termes qui ne contiennent pas le N. On va les faire passer de l'autre côté. Ça donne 1 plus t à la puissance n moins 1, c'est t fois v sur a. Donc, 1 plus t à la puissance n, je vais faire passer le 1 de ce côté. Ça me flèche. Ça donne tv sur a plus 1. On cherche le n, donc on va appliquer la fonction ln, donc n ln de 1 plus t, c'est ln de tv sur a plus 1, puisqu'on cherche le n, donc cette quantité va être passée de ce côté, ce qui donne n, c'est ln de tv sur a plus 1 sur ln de 1 plus t, application numérique, ça donne la valeur 11. Exercice 3. Un fonds de commerce est acheté à 300 000 dirhams payable par 12 annuités constantes au taux de 10%. Quel doit être le montant de chaque annuité? Donc là, on cherche à déterminer le montant de chaque annuité, c'est-à-dire qu'on cherche à déterminer le A. Maintenant, on va extraire les informations. Un fonds de commerce est acheté à 300 000 dirhams. Alors, ces 300 000, ça correspond à quoi? Donc là, il faut faire très attention pour ne pas confondre une valeur actuelle avec une valeur acquise. Dans cet exercice, il s'agit d'une valeur actuelle. Pourquoi? Donc pour faire la différence entre les deux. Une valeur actuelle, c'est la valeur qu'on emprunte, c'est la valeur qu'on prend au début de toutes ces opérations. C'est-à-dire qu'on la prend avant de commencer les versements. Donc c'est une quantité qu'on emprunte, qu'on prend comme un crédit avant de commencer les versements. Par contre, les valeurs acquises, c'est la valeur du capital après avoir effectué les versements. C'est-à-dire que c'est une valeur qu'on veut atteindre après avoir versé un ensemble d'annuités. Donc, il faut faire très attention lorsque vous êtes face à une situation. Toujours faites cette petite analyse. Est-ce que cette somme d'argent, est-ce que c'est une somme qui va être avant les versements ou après? Si c'est une somme avant, il s'agit d'une valeur actuelle. Si c'est une somme après, il s'agit d'une valeur qui est acquise. Autrement dit,
La valeur actuelle, c'est le capital sans intérêt. La valeur acquise, c'est la somme plus les intérêts. Donc, toujours faites la différence. Valeur actuelle, c'est avant les versements. Valeur acquise, c'est après les versements. Donc, un fonds de commerce est acheté. Donc, là, on a acheté un fonds de commerce. Donc, pour le moment, on n'a pas effectué de versement. Donc, il s'agit d'une valeur qui est actuelle. Donc, V indice 0. Payable par 12 annuités. Donc, N, c'est égal à 12. Au taux de 10%. Donc, toujours, lorsque ce n'est pas spécifié dans l'énoncé, on n'a pas spécifié la nature du taux, donc il s'agit d'un taux qui est annuel. Alors, puisque dans la donnée, on a une valeur actuelle, donc nous allons utiliser la formule des valeurs actuelles. On a V0, c'est A fois A moins A plus T à l'absence moins N sur T. On cherche à déterminer le A, donc cette quantité va être passée de l'autre côté. Donc A, c'est T multiplié par V0 sur 1 moins 1 plus T à l'absence moins N. Application numérique, ça donne 44 028,99 dirhams. Alors, exercice 4, déterminer la valeur acquise par une suite de 10 annuités constantes de 3 800 dirhams chacune, au taux annuel de 10,4%. Alors, première chose, est-ce que le taux il est homogène avec la nature des versements? On a un taux qui est annuel, on a des annuités, donc c'est bon. On peut appliquer la formule directement. Alors, première question, on cherche à déterminer la valeur acquise au moment du dernier versement. Donc, c'est une application directe de la valeur acquise. Donc, V indice 10, c'est 3 800 fois 1 plus le taux à la puissance n moins 1 sur le taux. Donc, c'est 61 736,07%. Deuxième question, on veut calculer la valeur acquise 2 ans après le dernier versement. Donc, la valeur qu'on a acquise, qui est égale à V10, elle va être placée à intérêt composé sans effectuer de versement. Donc, elle va être placée à intérêt composé. Donc, nous allons utiliser la formule des valeurs acquises par V10. Donc, V indice 12, c'est V10 fois 1 plus T à la puissance 2 parce que cette quantité V10, elle a été placée pendant 2 années. Donc, application numérique, ça va donner 75 244,9 dirhams. Troisième question, c'est le même principe. On veut calculer la valeur acquise 3 ans et 6 mois après le dernier versement. Donc, la valeur acquise V10, elle va être placée pendant 3 ans et 6 mois. Donc, on cherche la valeur V indice 13 plus 1 demi. Donc, c'est V indice 10 fois 1 plus T à la puissance N, à la puissance P, la durée de placement. Donc, ça donne. C'est 3 ans et 6 mois, donc 3,5 années. Donc ça donne 87 283,21 dirhams. Dernier exercice, combien faut-il verser par an pour rembourser un emprunt de 400 000 dirhams sur 15 ans au taux annuel de 5%? Alors, on cherche à déterminer combien faut-il payer par an. Donc là, on cherche à déterminer le A pour rembourser un emprunt de 400 000 dirhams. Donc là, il s'agit d'un emprunt. C'est une somme qu'on a empruntée. Donc c'est une somme qu'on a prise et après, on va commencer le remboursement. Donc il s'agit d'une valeur qui est actuelle. V0. Sur 15 ans, donc N c'est égal à 15, au taux annuel de 5%. Donc, on a un taux qui est annuel, on a des versements pendant 15 ans et on cherche à déterminer l'annuité. Donc, bien sûr, puisque dans la donnée, on a une valeur actuelle, donc c'est la formule que nous allons utiliser. Donc, V0, c'est A fois 1 moins 1 plus T à la puissance moins N sur T. On cherche à déterminer le A, donc tout le reste va passer de l'autre côté.
Donc, A, c'est V0, T sur 1 moins 1 plus T à la puissance N. Application numérique, ça va donner la valeur de 38 535,92 dirhams. Alors, avec ça, notre cours de mathématiques financières, il touche à sa fin. Donc, nous avons terminé notre cours. Si vous avez des questions sur n'importe quelle partie, sur les exercices, vous pouvez me joindre à mon adresse email g.pencher@umi.ac.ma. Donc, c'est marqué tout au début de la vidéo. Donc, voilà.